Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV, on se retrouve pour ce 7ème épisode du Let's Play sur Factorio. Alors, depuis la dernière vidéo, pas mal de choses ont changé, à commencer par donc cette fameuse ligne de train que je n'avais pas terminée et que j'ai finalement terminée hors vidéo, avec les échangeurs ici. Alors j'ai fait des choses un petit peu spéciales, je sais pas si c'est très très utile, mais moi ça me faisait plutôt rire de le faire. Ce sont des circuits logiques qui permettent d'essayer en tout cas de mieux répartir les minerais dans les différents coffres qui sont ici. J'ai bien sûr mis donc moult foreuses. Et sur les conseils d'un abonné qui s'appelle CD Cobra FR, que je remercie d'ailleurs pour ses conseils, effectivement j'ai serré au maximum toutes mes foreuses, bon, quasiment au maximum, j'ai laissé un peu d'espace là, mais j'avais un peu la flemme de tout refaire, afin d'optimiser, on va dire, le nombre de minerais. Donc ça n'optimise pas ni l'énergie, puisque ça consomme énormément d'électricité, ça n'économise pas non plus de faire énormément de foreuses, beaucoup plus que avec la manière que moi j'utilisais, mais par contre ça a le gros avantage, effectivement, chaque foreuse fort du minerai, donc il y en a beaucoup plus qui arrivent beaucoup plus rapidement. Voilà, avantage inconvénient, effectivement, comme j'étais un peu en rate de minerai et que je me plaignais, j'ai reçu ce bon conseil. D'ailleurs, je vous mettrai en fin de vidéo un petit lien vers sa chaîne qui vient tout juste de commencer. Il a mis une vidéo sur Factorio en ligne d'ores et déjà. D'après ce qu'il m'a dit, il a plus de 1700 heures de jeu. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui sait un petit peu de quoi il parle. Voilà pour la pub. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai automatisé la fabrication des tuyaux, parce que je vais forcément en avoir besoin, donc rien de compliqué, une ligne de fer, du tuyau classique, et deux usines de tuyaux classiques qui alimentent une usine de tuyaux souterrains. Et bien sûr que je récupère ici le long du main bus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai automatisé les moteurs, mais ça on l'avait déjà vu la dernière fois. D'ailleurs, oui, ça, c'est plein. Alors l'usine là ne tourne pas parce que quasiment toutes mes usines sont pleines. Tous mes coffres sont pleins, donc il n'y a plus grand chose à crafter pour le moment. Qu'est-ce que j'oublie depuis la dernière fois ? Eh bien écoutez, pas grand chose. Comme vous avez pu voir dans le petit timelapse, j'ai mis en place les chevalets de pompage pour récupérer du pétrole que j'ai amené ici dans deux réservoirs. Un seul devrait suffire, mais voilà, j'aime bien en avoir un petit peu d'avance. Et par contre, je me suis amusé à aller tirer une ligne ici pour mettre un radar ici et un autre ici très très haut, pareil pour détecter, pour découvrir un petit peu plus la map. Je pensais partir vers l'ouest. C'est pour ça que j'avais commencé d'ailleurs à faire tourner ma ligne de chemin de fer, en me disant ça a l'air pas mal de ce côté là, on va aller s'étendre par là. Et le radar que j'avais posé ici, pareil pour découvrir un petit peu la zone, eh bien m'a révélé que j'étais un peu en front de mer de ce côté là, donc par ici il y a l'air d'y avoir encore pas mal de choses à explorer, mais en tout cas vers l'ouest je vais être bloqué par la mer. Donc il faudra sûrement faire un pont ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis en place une petite usine que je vais essayer de retrouver, qui doit être par ici. Voilà, une petite usine ici qui fait, comment on appelle ça, je ne saurais pas vous dire, on va dire du... C'est pour combler l'eau, pour pouvoir se faire justement des ponts, pour pouvoir traverser tranquillement. Donc voilà, j'en ai fait une petite, histoire de commencer à en avoir, pour pouvoir aller visiter tout ça. Donc du coup, effectivement, je m'intéresse maintenant un peu plus à l'est, même si là je vois un bout d'eau, j'espère que c'est juste un petit lac. Par ici vers le sud, il y aura aussi pas mal de choses à explorer, et par ici donc vers le nord, on va attendre un petit peu que le radar découvre
toute cette zone. Donc aujourd'hui, on va s'occuper principalement du pétrole et de la fabrication du plastique, puisque je vais en avoir besoin pour les circuits rouges, ce qui va être la prochaine grosse étape de mon usine. Ici, j'ai un petit peu de charbon qui est utile pour le plastique, donc ça m'aurait bien plu de pouvoir l'exploiter. Mais il y a du biters, et très honnêtement, j'ai un peu peur de me faire défoncer, hein, tout simplement. Donc je me suis mis une armure, j'ai fabriqué un fusil d'assaut et quelques munitions, mais à faire à la main, c'est quand même très très rébarbatif. Donc je me demande si je vais pas automatiser ça. En l'occurrence, la base de biters qui est là n'occupe pas toute la plaque de charbon. Je peux en récupérer un petit peu. Pour le plastique, il n'y en a pas besoin d'énormément. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que si le pétrole est assez proche du charbon, le reste est assez éloigné de mon usine. Et il y a pas mal de forêts, vous avez vu que j'ai dû un peu dégager tout ça à coups de grenade. Donc si j'arrive à faire arriver ici, on va dire, la fabrication du plastique, ça m'embête un peu de tout ramener de ce côté-là. Et d'un autre côté, voilà, je sais pas trop quoi faire. Alors il y en a ici aussi. Il y a aussi du charbon de ce côté-là. C'est peut-être celle-là plutôt que je vais aller exploiter de plaques de charbon. Il n'y en a pas énormément, 247 000, mais c'est pareil, si je ne l'utilise que pour le plastique et d'autres produits chimiques liés au pétrole, normalement je devrais être large quand même. Donc je vais réfléchir un petit peu à tout ça, je vais essayer de voir comment je peux exploiter ça. Je vais en profiter également pour aller poser un petit radar ici, puisqu'on n'y voit pas grand-chose. Donc je fais tout ça, je commence à préparer un petit peu plus le terrain et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, la décision, je l'ai prise. J'ai vraiment décidé de m'installer ici, pas trop loin de l'usine. Je vais pouvoir récupérer du charbon qui est ici. Je préférais tirer une ligne de tuyaux. Tuyaux ici que je vais pouvoir alimenter également par les
les ressources de pétrole qui sont ici, et je vais pouvoir également exploiter celles-ci qui ne sont pas trop loin. C'est peut-être pas la meilleure décision, mais au moins j'ai de la place et je voulais vraiment pas que ce soit trop loin de l'usine, en tout cas pour l'exploitation du pétrole. Ensuite, le charbon, du coup, je pense que à un moment je vais devoir le mettre sur le main bus. Du coup, on pourra en récupérer là aussi s'il y a du manque. Voilà, je vais faire ça ici parce que je sais que le pétrole ça prend quand même pas mal de place. Donc je m'étais préparé déjà quelques réservoirs. On va en remettre deux ici. J'aurais bien aimé. Donc c'est bon, ils sont bien alimentés. Et on va mettre en place les raffineries. Alors je sais jamais parce que je sais jamais si c'est par en haut celle du haut ou celle du bas d'entrée qui après se transforme en eau. Je ne sais plus. C'est pas bien grave. On changera s'il y a besoin. Donc j'ai décidé d'en mettre 6. Deux, trois, quatre, cinq et 6. On va les alimenter en électricité. Comme ceci, un petit peu de lumière bien sûr. Voilà, on va leur donner leur recette. Bon, pour l'instant, il n'y a pas le choix, il n'y en a qu'une. Donc, pour l'instant, j'ai deux entrées de pétrole, mais une fois que j'aurai la recherche sur le pétrole avancée, il y en a une des deux qui va se transformer en entrée d'eau pour pouvoir l'exploiter. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé de sens. J'en mets quand même une ici en sortie, on ne sait jamais si je veux prolonger, ce sera fait. Voilà, donc elle commence à tourner, et maintenant on va préparer les sorties. Alors, on va commencer comme ceci. Ça c'est un schéma que j'utilise régulièrement. Dans mes autres parties, que j'ai régulièrement utilisé en tout cas, et que j'aime beaucoup, qui fonctionne très très bien. Je crois que j'avais dû piquer ça à un youtubeur également. En tuyau, du coup, en tuyau souterrain, je n'en ai plus, je vais aller en chercher. Ça m'a consommé vraiment beaucoup là de tirer la ligne de pétrole jusqu'à la future usine. Quelques stacks de bras, c'est toujours utile. De l'engrenage, j'en ai. Du tapis, j'en ai. Je vais reprendre un peu de répartiteur et un peu de souterrain. Même si j'en ai pas besoin tout de suite, j'en aurai toujours besoin à un moment ou à un autre. Donc, tant qu'à y aller, aller chercher des choses, autant faire le plein. J'ai de la place dans l'inventaire, donc on en profite. Ok, donc on va connecter tout ça. On connecte toutes les sorties de pétrole lourd entre elles. On connecte également toutes les sorties de pétrole léger entre elles, sans jamais mélanger les flux, surtout pas, sinon c'est la cata. C'est tout un bazar après pour tout couper et enlever le mélange quand il est fait. On va faire une sortie pour le pétrole lourd. À ce niveau-là,
On va refaire peut-être réservoir. Raté. On va en mettre deux. On va espacer un petit peu. On va faire une sortie pour le pétrole léger. Comme ceci. On va en faire deux également. On va tirer un petit peu d'électricité pour pouvoir s'éclairer. Et on va faire une sortie pour le gaz pétrolifère. Et on va également en mettre deux. Voilà, j'ai toute une série de raffineries qui vont fonctionner à plein régime. En tout cas, le temps que tout ça se remplisse. Alors, on éclaire un peu la zone. Je sais qu'elles n'ont pas besoin d'être alimentées, hein, les citernes, mais c'est pour pouvoir alimenter tout ça et peut-être même par la suite aller récupérer les informations qu'il y a dans les réservoirs pour les connecter au pylône et transmettre ces informations à des circuits logiques. J'avais fait ça également dans une autre partie et j'avais bien aimé le principe. J'ai essayé de faire une usine chimique un peu dynamique. En particulier quand il faut exploiter, transformer le pétrole lourd en pétrole léger, transformer le pétrole léger en gaz pétrolifère. C'est toujours utile d'avoir des petits circuits logiques qui permettent de faire ça automatiquement pour perdre le minimum de ressources et essayer de faire en sorte que l'usine tourne toujours à plein régime, parce que si jamais il y a un seul de ces réservoirs qui est plein, par exemple le pétrole lourd est complètement plein, bien tout, ça coupe tout le reste, il n'y a plus de production de gaz pétrolifère. Donc les circuits logiques pour ça sont quand même très très utiles. Allez, on va regarder ce qu'on peut faire avec les usines de produits chimiques. Quoi j'ai accès? Je peux faire du combustible solide. Alors, pour l'instant, je n'en aurais pas vraiment besoin. Il faudrait que je fasse par contre de l'acide sulfurique. Il faudra que je fasse de l'acide sulfurique. Et pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre. Du soufre, bien sûr. Pour le soufre, j'ai besoin d'eau et de gaz pétrolifère. Voilà, ça va être le premier élément pour faire le plastique, si je dis pas de bêtises, ou c'est pour le... Alors non, ça permet de faire l'acide sulfurique qui permet l'acide sulfurique de faire les batteries, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça aussi, on en fera. Alors, comment on va organiser ça? On va mettre une série d'usines qui vont exploiter le gaz pétrolifère. On va mettre 6 pour le moment. On va continuer à dégager un peu toute cette forêt. On va essayer de ne pas déborder jusqu'à la plaque de cuivre qui est là-bas. On va lui dire... Alors le gaz pétrolifère, en quoi tu vas le transformer du coup? Ah, en usine de soufre. J'ai pas besoin de tant d'usines que ça en fait. Je pense que deux devraient suffire dans un premier temps. Et en même temps, le soufre... je sais plus ce que je fais. Alors réfléchissons, j'ai besoin de faire le circuit rouge, donc j'ai besoin de plastique, donc il me faut juste du gaz pétrolifère et du charbon. Ça, c'est pas trop compliqué à faire. On va alimenter ça quand même. Donc le gaz pétrolifère, je l'ai ici. Il va falloir que je le ramène à côté du charbon. Le charbon, je l'ai là. Donc on va. Et on va tirer un tapis pour amener le charbon. Du coup, où est-ce que je vais mettre? Donc là, je vais voir le pétrolifère.
Pour les circuits rouges, je vais avoir besoin de circuits verts. Donc mes usines de circuits verts sont ici, donc il faudra qu'elles soient placées après. En fait, j'aurais pu m'économiser toute cette zone-là, j'aurais pu la placer ici, en fait. Ça aurait peut-être été plus malin, effectivement. C'est pas bien grave. Est-ce que je déplace tout? Est-ce que je déplace tout? Ici, est-ce que je vais avoir assez de place pour faire mon usine? Pierre, oui, je peux effectivement venir même me greffer là en dessous par ici, ça aurait été pas mal. Faut que je dégage toute la forêt, mais voilà, j'ai tout déplacé finalement, hein. Après réflexion faite, je préfère me rapprocher effectivement de la fabrication des circuits verts. Là-bas, c'était vraiment trop loin, donc j'ai tout enlevé. Du coup, maintenant, on va pouvoir effectivement commencer à utiliser ces ressources. Alors, on va commencer par le gaz pétrolifère qu'on va ramener un peu plus près du main bus. Pas trop. Je vais finir de tirer la ligne de charbon qui évidemment passe pas du tout au bon endroit. Et on va pouvoir commencer à mettre les usines de produits chimiques. Alors pour le plastique, je compte en mettre 4. Alors si je me souviens bien comment je faisais, je vais faire quelque chose à peu près comme ça. Voilà, avec donc on va leur donner la recette déjà. Voilà. Que je me souvienne, il faut une entrée. Il faudra une sortie. L'entrée, c'est pour le charbon. Et donc, il faut que j'amène. Alors,
voilà, bon, voilà. Ici. Le gaz pétrolifère va arriver par là. Voilà. Alors, pourquoi ça n'arrive pas? Ouais, j'ai pas l'angle ici. Check. Voilà, le petit icône. Le gaz pétrolifère arrive. On va alimenter tout ça. On va bien sûr éclairer. On va mettre l'entrée ici pour le charbon. Et on mettra la sortie de ce côté-là. Voilà, il n'y a plus qu'à alimenter en charbon. Un petit répartiteur et c'est parti. Voilà, ça devrait fonctionner si tout va bien. Ok, alors là il a pas, oui, j'ai pas mis l'entrée ici du gaz pétrolifère. Voilà. Ok, donc ça fonctionne bien. Il va falloir que vite que je répartisse bien le plastique sur deux voies. Et maintenant que j'ai le plastique, je vais pouvoir faire le circuit rouge. Alors pour ça, il me semble que j'ai un schéma. Est-ce que je l'ai fait ici par en bas? Il me faut du cuivre. Et le circuit électronique vert, donc on va finir d'allonger le main bus. Ce que je ferai également hors vidéo, ça va être de mettre du béton partout ici pour pouvoir avoir des déplacements plus rapides le temps que j'ai l'exosquelette. Ça, je ferai ça hors antenne. Alors, si je me souviens bien de mon schéma, j'aurais plutôt tendance à faire ça par ici, vers en haut. Et je crois que j'ai un blueprint normalement avec, voilà, production de circuit, circuit rouge. Voilà, j'avais utilisé ça qui fonctionnait, ma foi, très très bien. Évidemment, il y a des arbres. Je me suis fait très très peur tout à l'heure en détruisant la forêt parce que j'étais vraiment tout près d'une base de biters. Si je me suis dit, si j'en fais exploser un, ils vont tous me sauter dessus et ça va être la cata. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis passé à côté, heureusement. Voilà, je pense que ça suffira dans un premier temps. Je vais récupérer mon blueprint. On va éloigner un petit peu ça. Je suis dans le bon sens ou pas? Oui, comme ceci. Je suis pas trop près, non. Le plastique arrive. Ah, il arrive là. Faut que je me mette par ici. Voilà. Voilà, donc j'ai plus qu'à tracer tout ça. Donc voilà, le début de l'usine est alimenté. Donc j'ai une machine de circuit de fil de cuivre pour 8, je crois, 2, 4, 6, non, 7. 7 usines de circuit rouge. Normalement, c'est le bon équilibre. Peu de choses près. Manque plus qu'ici les circuits verts et le plastique mélangé sur une seule ligne. Alors, ce que je vais faire, c'est prolonger déjà dans un premier temps ça. Ce poteau-là va m'embêter beaucoup. On va mettre par ici. Par là, voilà. On va récupérer également
le circuit. Ici. Et à partir de là, on va faire un répartiteur. Ici, on va faire un répartiteur là. Celui-ci va venir comme ceci. Non, celui-là va venir là. Voilà. Et c'est celui-là qui va venir là. Voilà. Et voilà. Je prévois d'autres schémas comme ceci, schémas identiques pour les circuits rouges pour être alimenté en plastique et en circuit vert. Donc je divise mes lignes et je prévois la suite. Ici pareil, je vais avoir comme ceci et comme cela la suite du cuivre qui va se prolonger pour alimenter d'autres usines identiques. Et là normalement, évidemment les bras de sortie de ce côté là sont pas bons. Et là qu'est ce que j'ai fait? J'ai pas mis les bras de sortie. Voilà, ça commence à produire. Et donc on va faire en sorte de récupérer nos circuits rouges comme ceci, tout centralisé sur une seule ligne et rajouter au main bus. Voilà, un élément de plus. Ok, ça passe. Voilà. Alors le seul problème que je vais avoir, c'est qu'effectivement les circuits rouges, j'en ai besoin pour pas mal de choses au niveau de la recherche, et que là je vais être très très loin de la recherche. J'en ai besoin. Pourquoi déjà? Ah ben oui, juste pour les fournitures de recherche bleue. J'en ai besoin pour plein d'autres choses. Donc ça va être un petit peu embêtant. En même temps, comme j'ai laissé beaucoup de place, ce que je pourrais faire, ce qui serait malin, serait peut-être de diviser ce main bus. Et d'en faire un qui repart dans l'autre sens. Et je vais avoir besoin de quoi d'autre? Moteur et foreuse électrique. Pour les foreuses électriques, j'ai besoin de circuits verts. Pour les moteurs, d'acier, de fer. Donc je pourrais faire la fabrication de circuits d'éléments bleus à ce niveau-là. Et pour les autres, on verra un peu plus tard. Donc je peux tirer la ligne jusqu'ici à peu près. On va faire ça et on sera prêt pour la fabrication des potions bleues. Et voilà. On a notre ligne de circuit rouge. Je vais pouvoir en prendre quelques-uns d'ailleurs. Je sais que je peux me faire une armure. Voilà. L'armure modulaire qui sera beaucoup plus sympa. Je peux me faire les lunettes de vision nocturne. Je peux me faire peut-être batterie. Non, j'ai pas encore fait les piles. Mais voilà, prochaine étape donc, automatisation de la fabrication des moteurs, des foreuses électriques et les circuits rouges, c'est fait pour les potions bleues et injecter donc ces fameuses potions dans notre circuit de centre de recherche ici, en passant ici, de ce côté-là. Voilà, et bien j'espère que cet petit épisode vous aura plu. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour la suite. Allez, ciao ciao!